tout le monde, c'est Rayton pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui les amis, on est sur Ark Survivor Evolve pour un nouvel épisode du Let's Play. Et les amis, aujourd'hui on va faire un truc un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Vous vous souvenez d'habitude, ce qu'on fait en gros, c'est on joue au jeu, on fait des captures de dinosaures. Mais aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui je vais vous présenter un mode de jeu Ark Survivor. Alors ce qu'on va faire les amis, c'est en gros ce mode est complémentaire au mode de jeu classique de Ark. Et du coup il est dans ma partie solo, parce que d'habitude certains modes de jeu Ark vous forceront à recréer une partie ou comment dire, supprimeront votre jeu actuel. Moi c'est un mode que vous pouvez rajouter à votre partie locale et c'est vraiment super cool et je voulais vous le présenter. Alors je n'ai pas encore vraiment testé le mode, j'ai vu des vidéos dessus, mais j'ai quand même envie de vous le présenter aujourd'hui en vidéo. Alors on est parti les amis. Du coup les amis, le mode qu'on va tester aujourd'hui s'appelle Pimp My Dino. C'est un mode qui est annexe au mode Pimp My Rex que beaucoup connaissent. En gros Pimp My Rex, vous pouvez customiser votre T-Rex en fait dans le jeu pour qu'en gros il puisse avoir une belle armure, vraiment être différent de notre Rex. Mais là en gros Pimp My Dino c'est le mode au-dessus qui permet de faire en gros ça à presque tous les dinosaures du jeu. On va pouvoir customiser le Spinosaur, même les dodos, on peut tout customiser. C'est vraiment ultra fun. J'ai installé à une heure, mais avant de commencer à vous présenter le mode, j'ai juste un truc à vous dire, c'est que j'ai dû en quelque sorte cheater le jeu. Parce qu'en gros pour avoir accès en fait à tous les engrams, en gros pour customiser vos dinosaures, vous devez avoir en fait des points d'engrame. Et vu que je n'avais pas assez, vu qu'on avait tout utilisé la dernière fois pour avoir les selles, etc., j'ai dû me rajouter des points d'engrame avec une commande. Je sais que c'est du cheat, mais c'est vraiment pour l'épisode. Je ne utiliserai pas à mauvais escient en fait pour cheater, pour me prendre une avance qu'on a déjà bien entamée. Donc les amis, je vais pouvoir vous prendre un peu tout ça. Donc on est sur ma partie locale, hein, donc pas partie. Je crois pas que ça marche sur les parties en ligne. Donc on est parti, tac. Donc on va devoir en fait d'abord. Tout d'abord en fait quand vous arrivez dans le jeu, il va falloir qu'on crée comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un peu comme comment dire, comme l'atelier mais uniquement pour les pimps. Ça s'appelle le Pimp Made Smith. Donc en gros c'est l'atelier du pimp. Et pour l'avoir il faut 100 de bois, 350 de lingots de métal et 100 de peau. Alors j'ai déjà farmé le métal, ça par contre je l'ai farmé moi-même. Donc normalement on devrait en avoir assez. Donc on va aller à l'atelier pouvoir le créer. Est-ce que j'en ai là du métal? Non, je crois que j'ai déjà tout mis tout à l'heure pour justement être en prévision. Je crois, j'ai bien dit. Donc c'est parfait. Donc ce qu'on va faire du coup c'est on va prendre tout le métal qui est là. Donc on est déjà lourd alors qu'on vient juste d'arriver dans le jeu. On prend celui-là aussi. Voilà, il y en avait là aussi, on peut pas le prendre. Oh, on est trop lourd. Attends, on va poser ça. Nickel. On peut pas. Attendez, c'est un peu la galère. Attendez, je vais poser ça. Je pose tout, hein. Là c'est en fait là je suis un peu en galère parce que du coup il faut que j'ai beaucoup d'espace en fait, pour pouvoir vous montrer un peu le truc. Donc ça je le mets là, voilà. Donc normalement en fait il en faut 350, est-ce qu'on en a assez? On a 300, ah bah il y en a 50 là, enfin. Pour les prendre on va virer les lunettes de dinosaures, voilà. Tac, on peut les prendre là? On peut pas? On est vraiment en surpoids à ce point là? Attendez, je suis en train d'essayer de gérer pour qu'on en ait un peu plus. Donc ça je le mets, en fait vous savez quoi, je vais tout virer, c'est tellement plus simple. Je vire tout, on va juste garder ça, ça sera bien pour l'instant. Il nous reste combien à avoir? Beaucoup, en fait vous savez quoi, on va tout transférer, c'est tellement plus simple, oui tout transférer. Donc maintenant on va juste garder ça. Parce qu'en fait il faut vraiment beaucoup de métal hein, pour le faire. On prend ça, il reste quoi à prendre? Ça. Donc dans tous les cas on n'aurait pas pu. C'est une blague? Attends, on va poser ça du coup. Et là on peut? Ok, donc maintenant je crois qu'on a assez de métal pour pouvoir le faire. Actuellement oui, on a assez de métal. Donc vu qu'on a assez de métal pour le faire, du coup maintenant il nous faut du bois. Donc le bois normalement il y en a là-dedans, si je dis pas de bêtises, donc là il y en a là. Et normalement j'ai dans un coffre à côté. Bah vous savez quoi, attendez, je vais tout reprendre à zéro et je retourne dans quelques instants. Ouais, donc c'est bon les amis, j'ai enfin réussi du coup à avoir le Pimp Smith, on va pouvoir le créer. Donc c'est le Fit, ah non c'est pas Smith, c'est Smithy. Donc on l'a créé, c'est bon, il est là. Donc maintenant je peux tout reposer. Alors normalement en fait j'avais déjà tout, mais c'est juste que j'avais pas à tout prendre. Donc là c'est bon, on va pouvoir le placer, il est assez grand. Je sais pas du tout où le placer pour être quand même honnête avec vous. Est-ce qu'on peut le mettre dehors? Parce que limite si on pouvait le mettre dehors ça serait stylé, genre de le mettre genre là par exemple dans le coin. Est-ce qu'on peut le mettre dehors? Est-ce qu'on peut essayer? Apparemment on peut pas. Limite attendez, peut-être que j'ai une idée. Est-ce que si on crée comment dire du sol en, je sais pas, en touch par exemple, est-ce qu'on pourrait le faire? Donc voilà, le sol en touch, est-ce qu'on peut le faire rapidement? Ça coûte combien déjà un sol en touch? Vous savez c'est le vieux sol que tu... là j'utilise plus du tout depuis longtemps mais bon. Donc il nous faut du bois, le bois est-ce que j'en ai encore? Ouais ça va j'en ai. Donc on va pouvoir le prendre. En fait je vais me faire juste un ou deux sols vous savez, histoire de voilà, de calmer un peu. Donc là on en fait 4, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut en faire 4 rapidement? On va les binder, vous savez quoi, on va faire ça comme ça. Tac.
Donc moi en fait je suis un peu en train, comment dire, d'étudier le mode si vous voulez. Donc c'est un peu normal, moi c'est ma première fois, faut me laisser un peu le temps. Tac, est-ce que là ça sera assez grand pour tout ou pas? Je sais pas si ça serait grand. Donc il est où le Smithy? Tac, le Pimped. Ouais c'est bon, il est assez grand. On va le poser juste là. Est-ce que c'est un peu galère, attendez. On va le poser dans le coin là, voilà, parfait, comme ça. Ah, c'est sympa. On va pas se mentir, c'est sympa. Regardez, il y a un petit dino là-haut. Attendez, par contre, ça bug un peu. Regardez, il y a un petit dino. Il y a la photo de quelqu'un que je connais pas. Il y a pas mal de choses. Un marteau. C'est très bien designé, hein. C'est sympa. Donc, maintenant, on a ça. Du coup, alors, à quoi ça va nous servir? Vous allez me dire, bah, ça va servir, en fait, à, comment dire, à créer les engrams que j'ai déjà débloqués, en fait, avec les points dont je vous avais parlé au début de l'épisode. Donc, regardez, là, on va accéder à l'inventaire. On peut, du coup, créer des armures. Alors on peut créer vraiment beaucoup de choses, mais malheureusement pour créer tout ça, il va falloir que je cheat un maximum parce que comme vous pouvez le voir, c'est réellement cher. Et si vous voulez qu'on essaye de pimper au moins un dino aujourd'hui, il faut que je cheat. Je suis désolé, c'est pas dans mes habitudes, hein. Je sais que normalement j'ai jamais cheaté de mon let's play, mais là il faut que je cheat si je veux essayer de bien le faire. Alors je préfère vous prévenir avant. Donc je vous retrouve en quelques instants quand j'ai cheaté un maximum. Donc c'est bon les amis, j'ai enfin terminé de cheater. Je suis désolé, mais là c'est vraiment que pour vous présenter le mode, hein. Je peux me dire que vu que je prends le mode, j'ai le droit d'utiliser ça parce que je me sentais pas trop de farmer 1000 de peau, 400 de fiber, 700 de métal, 800 de bois et 45 de ciment. C'est vraiment très long à farmer pour ceux qui connaissent pas Ark. Et du coup je me force aujourd'hui à mettre quelques codes pour qu'on puisse profiter du mode ensemble. Mais tout ce que j'ai créé en fait maintenant, je ne vais jamais l'utiliser à part pour faire des trucs comme ça, pour faire des skins. Donc je suis désolé pour ceux qui voulaient pas que je mette de code dans la game. C'est la première et la dernière fois. Donc les amis, on est parti. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir créer? Donc là on peut du coup créer les skins, enfin les trucs qui vont pimper le dinosaure, qui vont le rendre fantastique, qui vont le rendre qui vont le rendre différent de tous les dinosaures de l'île. Et il faut qu'on fasse ça. Notre dinosaure doit être unique et je propose qu'on essaye d'améliorer le spinosaure et le T-Rex parce que c'est les dinosaures les plus puissants qu'on ait. Donc on va faire ça. Alors le T-Rex, c'est à quoi qu'il pourrait être bien sur lui? Bah alors déjà la attendez, c'est quoi la Sable Chitin Rex? Donc en gros c'est la selle en chitin pour le T-Rex. Il y a quoi d'autre? Le Rex Sable Metal Armor. Oh, ça c'est trop bien. En fait c'est la tête du Rex, ça va devenir une grande armure. C'est juste ultra stylé. Donc on va essayer de le prendre pour voir si ça fonctionne. Donc on en prend un. Ça peut être pas mal pour commencer. Il y a quoi d'autre à prendre? Rex Sable Armor, ça a l'air bof. Anki c'est quoi? Anki Sable équipe Anki. Il y a marqué oh my god partout, genre tout est cheaté. Le Dodu Metal Armor. Oh, ne me dis pas que c'est ce que je pense. Oh non, vous rigolez. Vous rigolez. Si c'est ce que je pense, les amis, on va bien rigoler. La frog. C'est-à-dire qu'on a même les trucs pour les belles ébuffos, je crois. Il y a vraiment pas mal de choses, c'est magnifique. Donc les amis, bon, on va déjà essayer de mettre le premier truc qu'on a là. Donc est-ce que ça... Normalement, ça va terminer dans le machin, donc il va falloir que je la récupère. J'ai vraiment une chité comme un porc là, par contre. Donc bref, donc là maintenant on va aller du coup équiper les dinosaures pour voir si ça fonctionne. Donc là il y a le Rex, alors on va commencer par le Rex parce que c'est le plus intéressant. Mais après, si ça fonctionne, j'ai un truc à vous montrer qui est plutôt sympathique aussi. Donc là on a le Rex, alors le Rex qu'on va faire c'est déjà, on va lui augmenter ses niveaux. On va lui augmenter sa stamina, c'est toujours important. Voilà, nickel, il est niveau 8. Alors le Rex, comment je fais pour t'équiper de tout ça? Est-ce que je dois le mettre là-dedans? Est-ce que ça fonctionne? Non. Comment on fait? Je sais pas du tout. Skin. Ah voilà, c'est là. Skin. Non? Ah si, comme ça. Voilà. Non? Ça fonctionne? Oh, oh my god. C'est trop beau. Il est énorme. Il est juste dingue. Oh mon dieu. Il est pimpé à mort. C'est magnifique. Je pensais pas que ça allait être aussi simple en fait. Je pensais que en fait une pièce de l'armure, ça va être juste dire un composant, genre la tête, le cou, enfin plein de trucs comme ça. Là en fait ça donne tout d'un coup, c'est juste génial. Attendez, on va se mettre dessus. Bam. Oh la puissance. Oh la puissance du truc là. Clairement je ne pense pas que j'aurais pu faire ça tout seul. Oh c'est magique. Oh c'est beau. Ah là c'est beau les amis. Clairement mon Rex, c'est le plus beau Rex de l'île. Mais est-ce que je peux colorier du coup l'armure?
Est-ce que je peux mettre de la peinture dessus? C'est la question après. Bon, on le fera plus tard. Là, j'ai envie de tester autre chose du coup, maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait sur le Rex. Bon, du coup, maintenant, je vais faire celle pour le Spinosaur. Quand même, celle du dodo ne marche pas. En fait, il faut un autre mode pour créer un autre dinosaure, en fait, qui est comme le dodo, mais un peu plus grand pour lui mettre l'armure. Donc là, on va tester un peu le Spinosaur. Donc, on est parti. D'ailleurs, je mettrai dans la description un lien vers une vidéo d'un youtubeur, anglophone, qui a fait une vidéo, en fait, avec tous les skins qu'on peut débloquer. Et clairement, il y en a des très, très beaux. Et je vous inviterai à aller voir sa vidéo. Donc, pour l'instant, les amis, on va rester un peu sur ma vidéo pour impressionner sur mes dinosaures pour voir si ça fonctionne. Donc là, il y a le Spinosaur qu'on avait scellé la dernière fois en live. Et on va du coup, le modifier. Est-ce qu'on peut lui mettre du coup le skin? C'est parti. Est-ce que c'est magnifique? Le roi des mers, ça a été traduit en français quand même. Genre, ils ont quand même traduit et tout. Donc là, je m'attends du lourd. Wouhou! Oh purée, j'aime bien. En plus, regardez, il y a des sortes de, comment dire, des cages, enfin, je sais pas si on vous dit des cages yeux, un truc comme ça. Regardez là, pour pas qu'il attrape des coups de soleil. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. C'est badass, en fait. Genre, c'est tellement ultra badass que forcément, ça envoie vraiment du lourd tout le temps. C'est juste magnifique. Moi, je pense vraiment que c'est une très très belle armure. Donc là, c'est ultra balèze. Est-ce qu'on va pas se mettre dessus? Je suis le Spinosaur. Le dinosaure le plus fort. Tellement chaud. En plus, là, j'aime bien avec, comment dire, avec son je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, le truc qui sort de lui, là, le sort de l'aile, en fait. Je sais pas, un aileron, voilà, son aileron. Et genre, la couleur est très belle. Et ça rend vraiment bien avec l'armure. C'est juste génial. Oh, je suis trop content. Bref. Donc, je regrette pas du tout d'avoir un size mode, hein, clairement. Bon, là, je suis un peu bloqué, apparemment, parce qu'il y a plein de dinosaures qui se rentrent dedans. Donc, attendez, on va le mettre à côté du T-Rex. Eh, quand même. Les deux plus badass ensemble. Mais arrêtez de vous bousculer, les dinosaures. Arrêtez. C'est pas là, c'est juste qu'il y a des dinosaures par terre qui m'énervent. Bref. Donc regardez, attendez, on les met ensemble, ça donne quoi? Le couple de la badassitude. Les deux sont juste ultra badass. J'ai même vu un dinosaure assez badass de ma vie, donc théoriquement, je sais pas s'ils sont tout ça comme ça, mais là c'est magnifique. Ah, ils sont tellement violents. Attendez, j'ai envie de tester encore un skin que je ne connais pas. J'ai envie de voir s'il fonctionne, attendez. On va tester, il y a quoi comme skin qu'on pourrait avoir? D'ailleurs, c'est quoi structure? Trophée. Ah oui, trophée. En gros, trophée, c'est des décorations. En gros, les skins qu'on voyait sur les dinosaures, on peut les avoir. Faites juste la tête, si vous voulez. Et on peut les mettre, comment dire, en décoration, comme si le dinosaure avait été empaillé. Donc, on va en faire une pour le kiff. On va faire celle du Rex, bien évidemment. Donc, on fait le Rex. Et pour l'instant, on va faire quoi? On va faire armure. On va faire... J'ai envie de faire celle de, comment dire, du sabre, enfin le tir à lance sabre. Et j'ai envie de faire un autre truc, c'est quoi structure à meubles? C'est les meubles! On peut faire des meubles! Oh, c'est trop stylé! Oh, moi je vais me faire un... comment ça s'appelle? Je vais me faire ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Un fauteuil, Pour le fauteuil, il va me falloir de la kératine et des branchages. Ça, je crois que j'en ai à l'intérieur. Bah attendez, je vais aller voir. Je suis juste un peu déshydraté, attendez, je vais juste boire un peu. Donc là, tout ce qu'il faut, bon là, il commence à pleuvoir dans le jeu. Donc je laisse la pluie, hein, ça fait plaisir un peu. Parce que là, en ce moment, il fait très chaud là où je suis. Donc forcément, bah, j'aime bien un peu avoir le bruit de la fraîcheur. Donc pourquoi pas après tout. Donc là, on est parti les amis. On va du coup créer un meuble. Donc on va créer un meuble, structure. C'est pas trophée, on avait dit, c'est meuble. Et on va faire du coup le fauteuil, voilà. Donc là pour l'instant je vais prendre du coup le fauteuil quand il sera sorti. On a la selle du tigre qui a été créée. On a notre nouvelle décoration et notre fauteuil. Ouais, c'est pas mal. Là en fait on teste bien le mode quand même, hein. On va rentrer à l'intérieur parce que là il faut s'abriter, il pleut trop. Putain, j'avais pas vu, ça dépassait. Bon, c'est un petit style quand même. Donc on va le mettre où le fauteuil? Je sais pas où le mettre, mais on va le mettre là. Attendez, on va le mettre là pour tester. Donc attends, on va le mettre là. Oh, c'est stylé. Bon, il est un peu bizarre, mais ça va, c'est stylé. Ça reste quand même très badass, et du coup, c'est cool. Donc là, regardez, marqué « Pimp my dino ». Même s'asseoir. Je suis le king. Je suis le king du game, les amis. Je suis clairement imbattable. Do you want to try me? Là, il est violent. Il est violent. Bref. Donc, du coup, je vais mettre la décoration aussi, parce que là, du coup, on l'a créé, il faut la tester. Donc, elle est là. Je sais pas trop où on va la mettre. Oula. Là, c'est bien. Genre, juste au-dessus de notre porte. Ah, elle est pas mal, hein. Vous savez, c'est la tête du Rex de la même armure que ce qu'on a créé sur le Rex. C'est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Donc, maintenant, on va tester, du coup, le sabre. Oh, merde, j'ai laissé la porte ouverte. Il y a des dinosaures qui ont pu se barrer. Ils sont pas barrés, apparemment. Non. C'est très beau, aujourd'hui. Il est où, le sabre? Sabeur. Il est là, ok. Il y a Kira qui est là. Il a des niveaux augmentés, on va lui augmenter son attaque, ça pourrait être cool. Et du coup, on va lui poser son skin. Ah,
Oh, quand même, hein. Il est violent comme ça. Faudra que j'essaie de peindre les skins pour voir si ça fonctionne. Donc là, il est quand même cool. Ah, c'est stylé. J'aime bien comme ça, c'est beau. Donc là, en tout cas, ça va, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis quand même content, surtout le Spino et le Rex. Le Spino et le Rex sont clairement les deux meilleurs dinosaures d'aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de les voir un peu, c'est toujours cool, en fait. Et c'est cool, ça. Tac, on va le prendre. Il est violent. Je pense ce soir, vu qu'en fait, je vais peut-être streamer, je prendrai un peu le mode. Parce que là, clairement, il est beau. Ah là là, c'est violent. C'est violent, c'est violent. Et en tout cas, tout le monde, c'était une bonne vidéo. Je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Je trouvais que pimper les dinosaures, c'était juste ultra fun. Et j'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse encore une fois d'avoir cheaté le jeu. C'est pas dans mes habitudes, mais il fallait bien que je le fasse aujourd'hui pour tester. Et je suis assez content de la vidéo. Je me suis réellement éclaté encore une fois aujourd'hui sur Ark. Et voilà, tout le monde, la vidéo sur Ark est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire quel est votre skin préféré dans tous les dinosaures qu'on a testé aujourd'hui, c'est-à-dire le tigre à dents de sabre, le T-Rex et le spinosaure dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un immense pouce bleu si vous voulez voir plus de vidéos sur Ark sur la chaîne et de vous abonner si pas encore bien pour suivre la suite de mes vidéos. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt, c'est Rayton et ciao.